Le grand cirque de la Formule 1 s'est déplacé sur la côte sud du Portugal cette semaine et il se prépare pour ce qu'on espère être une course à couper le souffle ici à Portimao. Portimao comporte 15 virages sur une longueur totale de 4,6 km. On y retrouve 9 courbes à droite et 6 à gauche. Et ici, les monoplaces s'affrontent sur des portions extrêmement vallonnées. Il sera donc essentiel de soigner ses sorties, et je pense notamment au virage 4, où une bonne trajectoire pourrait facilement offrir une opportunité de dépassement au freinage du numéro 5. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage? Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner une course, Julien. Il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour. Il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous. Tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre, mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Iceman part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Hamilton, Sergio Pérez et Norris, Ricciardo, Leclerc, Gasly et Fernando Alonso, Ocon, Tsunoda, Sebastian Vettel et Stroll, Raikkonen, Giovinazzi, George Russell et Nicolas Latifi, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. On est bon du côté moteur, alors essayons d'amener les pneus et les freins à la bonne température. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Thank you.
Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Thank you.
Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des tendres. Bottas derrière.
L'écart avec la voiture de derrière est de 8,5 secondes. Il chausse des pneus médiums usés. Il chausse des gommes usées depuis 9 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1,22,7.
Notre retard sur la voiture de devant est de 12,7 secondes. C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Charles va s'arrêter.
Tes pneus ont l'air en bon état. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums.
L'écart avec la voiture derrière nous est de 20,2 secondes. On commence à rattraper la voiture de devant, mais surveille tes pneus, on ne fera pas d'autres arrêts au stand. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 1,7 secondes.
Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Tu risques d'avoir de la pluie dans 10-15 minutes. On creuse l'écart d'environ une seconde par tour avec la voiture de derrière. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Retour à la normale. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,9 secondes. Bravo pour cette belle performance. Tu as très bien couru et tu as fait ce qu'il fallait. Bien joué. Le drapeau à damier est agité et c'est la fin de la course ici à Portimao. Félicitations à notre vainqueur qui grimpe sur la plus haute marche du podium après une prestation remarquable. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Quelle performance extraordinaire! Vous devez être très content de ce résultat. Votre équipe doit être ravie de votre performance. Vous avez livré un combat de haut niveau contre votre adversaire direct. Bien, ce sera tout, merci. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Des points en plus pour Valtteri Bottas qui conforte encore un peu plus sa place de leader du classement. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour? Eh bien, sans hésiter, Antonio Giovinazzi, non? Malgré la pression qu'il a subie de la part des autres pilotes, il n'a pas fait la moindre faute. Magnifique course de sa part. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Quel grand prix passionnant nous venons de vivre.
Retrouvez-nous très bientôt, Nicolas et moi-même, pour un nouveau week-end de Formule 1.